Ah, dis donc, ça coule déjà. Qu'est-ce qui te manque? C'est marrant, hein, faut pas y louper parce que t'as un jour, deux jours. Ah, d'accord. Il y a deux jours dans l'année, c'est tout? Non, non. Je veux dire que. Comme hier, avant-hier, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Ben là, il y a des gens qui les ont déjà mis depuis une semaine, ils en ont tiré des litres et des litres. C'est pour faire le joint un peu. D'accord. Mais ça va, hein, arrête, on n'arrive plus. Hein. Tu peux peut-être remettre le bocal déjà pour que... Tiens, viens là, sous le parapluie. Voilà, restez là. Sous le parapluie. T'as vu ça? Ben oui, c'est fou. Et puis là-bas, t'as déjà percé là-bas, Bernard, où ça coule? Ah ouais, t'as vu ça un peu? Non, mais c'est impressionnant. Ouais. Impressionnant. Extraordinaire. Donc, il faut en boire 5 litres. Non, reste là, chérie, tu vas te mouiller. Puis après, Bernard, il met un... Qu'est-ce que tu mets autour? Un petit scotch pour, ah oui. Pour que la paille tienne bien. Oui, il en met deux par... voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est que comme il pleut, il va falloir que je mette un couvercle. Un couvercle dessous. Tu aurais dû mettre tes pailles dans l'autre sens pour plier le bout, non? Ça coule, c'est bon? Ah oui, tu fais comme ça d'habitude, Bernard. Tu mets dans l'autre sens. Et puis plier le... Et tu plies le bout. Donc, il faudrait poser le couvercle dessus pour pas qu'il y ait de la flotte qui tombe dedans. Oui, je vais mettre un aluminium. Et ça se conserve alors? Ça garde... Quand elle est fraîche, non, il faut la congeler, je pense. Hein, ah. Bernard? Non, je sais pas trop. Je sais qu'après, je mets des coups de girofle pour... Ah oui, ouais. Pour parfumer pour un peu? Non, pour la conserver un peu. Ça fait de la...